Enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour ce mois de février, les guidances signe par signe. Alors, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis un grand merci si cela est déjà fait. Vous êtes de plus en plus nombreux et je dois dire que voilà, ça me ravit le cœur de voir cette communauté grandir de jour en jour. Petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne, s'il n'y a pas de message, allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou se passera au-delà du mois de janvier. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous avez en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis restez bien jusqu'à la fin puisque je vais faire décan par décan, je vais faire un éclairage supplémentaire. Et puis encore une autre invitation que j'avais envie de vous partager, vous allez trouver le lien ici, si ce n'est pas déjà fait, d'aller visionner les guidances panoramiques. Ce sont des projections pour les 6 premiers mois de l'année. Alors maintenant, on va passer tout de suite aux guidances signe par signe. Alors les lions, que vous réserve votre mois de février? Je prends une carte pour avoir la couleur, la tonalité de ce mois. Et quel est votre état d'esprit des lions au mois de février? Quelle est votre force les lions? Quelle est votre force ce mois-ci? Quelle est votre faiblesse? À quoi vous aspirez les lions ce mois-ci? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez voir se matérialiser les lions? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous en fin de mois de février les lions? Ok, alors l'énergie générale, mains et poings liés. Le sentiment pour moi que vous sentez de ne pas être libre, peut-être d'être asservi à un travail, asservi par des liens qui sont toxiques dans vos amitiés, peut-être aussi dans un couple. Vraiment là, le sentiment de ne pas pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Là, il y a sans doute pour moi un profond envie de liberté et de vous affranchir de choses que vous sentez qui ne vous font pas du bien ou qui ne vous permettent pas d'avancer. Alors, quel est votre état d'esprit, l'énergie de la force? Je pense que vous allez trouver la force ce mois-ci justement pour vous débarrasser de ce sentiment d'être emprisonné. Hein. Donc, vous voyez, vous êtes dans votre énergie, c'est le lion qui est venu, la carte de la force. Donc là, votre état d'esprit, vous êtes dans l'énergie d'un conquérant, vous savez là ce que vous voulez, vous voyez, le roi des animaux. Donc il y a vraiment l'histoire de légitimité, de confiance en soi, de rayonnement. Et c'est en ce sens-là, je sens qu'il y a quelque chose qui va craquer pour vous défaire de ce qui vous entrave à l'heure d'aujourd'hui. Il y a vraiment, pour moi, retrouver votre pleine puissance et d'être, vous voyez, ce troisième chakra qui, pour moi, est en pleine effervescence, qui est le troisième chakra, c'est que c'est sa légitimité et c'est vraiment sa place dans le monde. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très solaire pour moi dans l'énergie dans laquelle vous êtes. Vous êtes, comme je vous dis, dans votre propre énergie. Vous ne doutez plus et vous avez vraiment grandement confiance en vous. Alors, quelle est votre force? Le 8 de coupe. C'est justement que vous savez qu'il vous faut couper avec des choses justement qui vous retiennent. Là, il y a un éloignement qui peut se faire, sans doute émotionnellement, géographiquement, ça peut aussi se faire. Là, vous allez partir et vous n'allez pas vous retourner, vous n'allez pas rattraper par quelque chose de l'ordre du sentimental. Il y a vraiment, vous allez tracer votre route et vous allez tourner le dos à ce qui ne vous convient plus. Alors comme je vous dis, ça peut être par des choses très concrètes. Vous allez quitter un travail, quitter un compagnon, vous débarrasser peut-être d'une addiction, vous couper avec des personnes avec qui vous ne vibrez plus, mais ça peut être aussi un déménagement. Hein. Et vraiment, vous avez la force nécessaire pour moi pour mettre en place ce changement ce mois-ci, les lions. Alors votre faiblesse, la reine d'épée, vous pourriez manquer de discernement et de lucidité. Vous êtes tellement avide de liberté, de vous affranchir, de vous délester de certaines choses. Là, la reine d'épée vous dit attention.
Vous pourriez ne pas être connecté assez à vos intuitions et vos ressentis. Et la reine d'épée, voilà, vous dit discernement, lucidité. La reine d'épée, elle dit sa vérité. Il y a l'idée aussi de vous affirmer vraiment, autant par, là on le sent par ce que vous dégagez, mais par la parole, par votre parole, hein, les lions. Dites les choses très clairement pour pas qu'on vous reproche après de ne pas avoir dit les choses. Hein. Il y a vraiment l'histoire d'avoir une parole juste, impeccable, mais de dire cette parole, hein, d'être, voilà, d'être, comment dire, expressif. Alors, à quoi vous aspirez ce mois-ci, le 4 de Pentacle? Vous aspirez à une stabilité, je pense, financière, matérielle. Vous aspirez vraiment à être quelque chose de stable, à retrouver cette stabilité. On sent que là, qu'il y a quelque chose dont vous voulez vous affranchir, mais vous aspirez vraiment à retrouver rapidement ou pour une meilleure stabilité, quelque chose qui, voilà, qui soit solide avec ce 4 de Pentacle. Vous avez hâte, vous avez envie d'avoir des fondations, des fondements qui soient solides et quelque chose qui est plus en lien avec vos valeurs, des choses qui vous, voilà, qui au niveau de vos valeurs soient plus en résonance avec qui vous êtes aujourd'hui. C'est en ce sens que là, peut-être la reine d'épée va vous demander, c'est de dire, d'affirmer ce qui est vous, quelles sont les valeurs sur lesquelles vous avez envie de vous appuyer aujourd'hui et d'être intègre avec ça. Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez voir se matérialiser ce mois-ci? La reine de bâton. Magnifique. Hein? Donc là, vous voyez, c'est une. Je sens très bien, là, vous avez vraiment dans la tête un esprit déterminé, cette fougue. Et la reine de bâton nous dit que vous allez savoir entreprendre, vous savoir vous défaire de ce qui vous lie, de ce qui vous entrave. Vous allez entreprendre, vous allez être vraiment dans. Vous voyez, c'est du feu, hein, la reine de bâton. C'est votre énergie encore. À moins que ça soit une personne qui vous aide justement, vous allez trouver l'appui auprès d'une femme qui vous aide à vous défaire de tout ça, vous voyez, dans cette énergie très... la reine de bâton, elle a un pouvoir illimité, elle sait que son pouvoir est illimité et elle est extrêmement déterminée dans ce qu'elle veut atteindre comme but, le rêve qu'elle a envie de toucher du doigt. Donc là, y a vraiment beaucoup de passion. C'est la passion qui va être le moteur pour moi, pour vous, dans pour ce mois-ci, de vous défaire de tout ce qui vous entrave. Il y a aussi l'idée de quelque chose de très magnétique avec cette reine de bâton. Vous allez attirer à vous ce qui va être juste pour vous de manifester. Il y a aussi l'idée de l'ordre de la séduction et de l'attraction, hein, vraiment avec cette reine de bâton. Donc c'est, si vous êtes un homme, je pense que vous pourriez rencontrer aussi une femme dans cette énergie là une femme extrêmement très magnétique, attractive. Mais bon, il y a vraiment l'idée de prendre son pouvoir personnel avec cette reine de bâton et de foncer. Hein, et de ne pas avoir peur et d'être extrêmement passionnée et passionnante. Hein. Alors, l'énergie en fin de mois qui est là, le 4 de bâton. Vous voyez, il y a deux énergies de 4. Donc, il y a vraiment, c'est une énergie de stabilité. Donc, à la fin du mois, il y a vraiment, vous retrouvez à l'intérieur de votre foyer quelque chose de l'ordre qui vous fait pétiller. Le 4 de bâton, il y a vraiment, vraiment beaucoup de joie. Il y a vraiment une réussite. Je pense que vous réussissez à vous défaire pendant ce mois de ce qui vous entrave, de ce qui vous retient, de tout ce que vous sentez qui ne vous fait pas avancer. Et à la fin du mois, il y a vraiment une stabilité à la fois financière, au niveau de la valeur que vous vous accordez vis-à-vis de vous-même, et puis beaucoup de réussite. Vous retrouvez un foyer qui est stable et sur lequel vous vous sentez complètement épanoui, les lions. Hein. Pour moi, il y a vraiment un bel affranchissement ce mois-ci, une belle avancée. Et il y a quelque chose de très fougueux et très feu. Alors, on va demander un message supplémentaire pour vous, les lions. Pour moi, c'est vraiment un affranchissement pour vous, les lions, ce mois-ci. Mais voilà, soyez lucides, hein. Soyez dans des choses très concrètes qui peuvent se réaliser. Alors, le premier décan, le deuxième décan. Et le troisième décan.
Alors, le message supplémentaire. Il se peut que vous rencontriez des difficultés, hein, quand même. Tout ne va pas se faire si vous quittez un travail, un compagnon. Il y a vraiment, il se peut qu'il y ait des difficultés à couper, hein. Voyez, cette reine d'épée aussi, elle vous dit c'est de dire les choses et de savoir trancher. Donc, bon. Mais voyez, il y a une belle stabilité qui est là et une belle réussite. Donc, dites-vous que les difficultés font partie de la vie et que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que ça fait partie de l'expérience. Alors, le premier décan, 10 de Pentacle. Oui, il y a un bel aboutissement, voyez, très concret à la fin du mois. Tout au long de ce mois, peut-être votre réseau, hein, qui est là et sur qui vous pouvez compter, qui vous a aidé à passer d'un cap à un autre. Hein. Il y a peut-être ça à activer, les lions du premier décan, à demander du soutien quand il y a de la difficulté vis-à-vis de votre réseau. Vous allez vous rendre compte que vous pouvez compter sur eux et que ces personnes sont... Alors, il y en a, j'ai envie de dire, que vous sentez Ben, c'est peut-être comme ça que vous allez vous rendre compte de certaines personnes qui ne seront pas à la hauteur de vos attentes et de vos demandes, et puis d'autres sur qui vous allez pouvoir compter, et c'est ce qui va vous permettre de faire le ménage. Alors, le deuxième décan, il y a beaucoup de peur, hein, j'ai envie de vous dire, éventuellement de quitter des choses qui vous entravent. Il y a des peurs aussi par rapport aux difficultés qui pourraient être mises sur votre route. Là, on vous dit... que c'est vous-même qui vous enchaînez, hein, voyez, main et poing liés, ces deux cartes se ressemblent, hein, voyez, il ne tient qu'à vous de vous affranchir de toutes ces peurs et de couper, hein, et de tracer votre route, les lions. Et le troisième décan, l'énergie du diable, c'est vraiment la même énergie que les mains et poings liés, c'est... à quoi vous êtes retenu, qu'est-ce qui vous a servi, de quoi vous voulez vous détacher et vous débarrasser, qui vous sentez justement, et qu'est-ce qui vous met en difficulté aujourd'hui, hein, qu'est-ce qui vous sentez qui vous retient, qui vous attire par le bas et qui ne vous laisse pas rayonner qui vous êtes, les lions. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec cette guidance. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.